peintre qui expose tous les deux ans à la galerie Simone Boudet. C'est un des poulains préférés de la galerie Simone Boudet. Et c'est d'ailleurs là que je l'ai découvert. Et puis je vous invite donc à votre tour à le découvrir à Loubressac dans le Lot. Loubressac, un de ces petits villages du Lot qui a su sauvegarder son aspect d'antan, un village propre à inspirer un poète. C'est là que Jérémy Annett vit depuis 12 ans et peint. Une peinture qui ressemble aux souvenirs de vacances heureuses, réalité à multiples visages, dont le dénominateur commun est très souvent la mer. Jérémy Annett, comment le marin anglais que vous êtes est-il venu s'échouer ici à Loubressac? Quand j'ai rencontré ma femme en 72, on est allé habiter près de Beauvais, dans un petit village. Et en fin de compte, ça ressemblait tellement à l'Angleterre, avec le temps pluvieux, qu'on est descendu ici, à Loubressac, dans la maison où nous sommes, qui est la propriété de mon beau-père, et c'était pour 6 mois. Et ça fait 12 ans maintenant qu'on est là. Mais alors ici, il y a la nostalgie de la mer, bien sûr, mais est-ce qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui inspire désormais vos peintures? Oui, dans la mesure où on est perché, on a des ciels merveilleux, pleins de lumière, et les maisons qui ont les fenêtres, en fin de compte, assez petites, donnent, quand on est dans les maisons, on regarde par les fenêtres, on donne une lumière concentrée, une vue concentrée qui ressemble assez à ma peinture. La première rencontre avec la peinture, vous aviez quel âge? Disons que j'ai commencé à peindre à très jeune âge. Mais la première vente, c'était à 14 ans. Et c'était... J'ai fait un tableau comme fait tout le monde, à un certain moment ou un autre, un vieux bonhomme assis à une table avec sa verre de bière, le gros nez rouge, les cheveux blancs et le fond foncé derrière. Et c'est un Américain qui l'a acheté, il m'a dit que ça lui faisait penser à sa mère. Alors ça m'a encouragé de continuer. Et puis vous avez peint aussi dans les rues, à Paris? À Paris, oui, ça c'était en 65. J'ai dessiné sur le pont des Arts à Paris, avec des craies. C'était une mauvaise période et il fallait faire un peu d'argent et j'ai fait ça. Et c'était très rentable. J'avais fait des grandes reproductions de Van Gogh. Et il y a même les policiers qui ont passé, qui ont donné de l'argent. La mer, Jérémy Annett, c'est toujours la fascination? Toujours. Toujours, j'adore la mer. D'abord, je crois que les Anglais sont assez innés, mais j'ai passé 10 ans de ma vie sur un bateau en Méditerranée. Et quand je suis venu ici à Loubressac, perché à presque 400 mètres, c'était très dur au départ. Et elle est très souvent dans vos tableaux, la mer? Oh oui, c'est toujours dans ma tête. Je rêve d'y être un jour, en permanence. Mais c'est une image sereine ou c'est une image inquiète? Non. Sereine, sereine. Je suis un personnage serein. Je ne veux pas mettre inquiétude dans les tableaux. Une peinture heureuse, mais est-ce que la création l'est aussi? Heureuse peut-être, mais dure. Chaque fois c'est dur. Il faut vraiment arracher le tableau, ça ne vient jamais facilement. Est-ce qu'il vous arrive de rester absolument sec devant une toile? Pas devant une toile, mais disons, je travaille les heures de bureau. Je viens à 8 heures du matin, si je peux, dans l'atelier. J'arrête à midi, je recommence à 2 heures. J'essaye de faire 8 heures par jour. Bon, des fois c'est un peu moins, des fois c'est un peu plus. Je finis un tableau. Bon, j'arrive dans l'atelier, je me mets à chercher le prochain tableau. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Je passe toute une journée dans l'atelier sans rien faire. Sans rien produire, la poubelle est pleine d'idées rejetées, un peu comme un écrivain qui n'arrive pas à écrire. Et des fois, ça peut durer. Une fois, ça a duré une semaine. C'était très, très dur. Et je me suis dit, bon, j'ai plus rien à dire, c'est fini. Chaque tableau, c'est le résultat d'une longue gestation. Un tableau comme ça, qui est 1 mètre carré, il y a peut-être 200, 250 heures de travail. Il y a une semaine de préparation, parce que je commence avec le collage. Et puis il y a 4 ou 5 semaines de travail de peinture.
C'est une somme de sensations, d'impressions autour d'un... C'est ça, mais en fin de compte, le travail de création, ça se produit dans le collage, pendant que je fais le collage. Après, il y a quelques améliorations, quelques changements de lumière dans le travail de la peinture, mais c'est assez fidèle à l'atmosphère du collage. Donc, votre technique habituelle, c'est d'agrandir, en fait, rigoureusement le... Assez rigoureusement, oui, l'objet ou le collage ou le bouquet que je... D'être fidèle à ce que je vois. Est-ce que vous êtes à la recherche du tableau, entre guillemets, qui sera un petit peu l'œuvre par excellence, votre œuvre ? Que chaque tableau est le tableau, et ce n'est jamais le cas. Je crois que si on trouvait le tableau, on faisait le chef-d'œuvre, on n'aura plus rien à dire, et on ne peindra plus.